Le CNE, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour but de promouvoir, de diffuser l'art visuel auprès du public. C'est une institution qui est reconnue nationalement. Le CNE a été fondé officiellement en 1979 par l'Institut des arts au Saguenay. À l'époque, là, il y avait seulement une seule salle d'exposition. C'est seulement en 1993 que, devant la demande flagrante, on a décidé d'agrandir. Aujourd'hui, on a trois salles d'exposition. Il y a une différence entre un centre national d'exposition et une institution muséale. Une institution muséale, c'est une collection permanente qui reste à l'intérieur du musée. Un centre national d'exposition, c'est des expositions qui sont temporaires ou itinérantes. Ils vont rester quelques mois, deux, trois, quatre mois, et ensuite vont repartir ou ils vont être tout simplement redonnés à l'artiste. Comment on choisit les artistes qui vont venir exposer ici en nos salles? C'est dans le fond soit sur invitation, donc ça arrive des fois que nous, on invite des artistes, mais ça va surtout par appel de dossiers. Donc, les artistes nous envoient des dossiers et à l'intérieur des dossiers, on retrouve souvent un disque ou une clé USB qui va être leur visuel. Ensuite, on va avoir leur curriculum vitae, leur démarche, leur projet. Donc, ce jury-là se rassemble sur des critères et ensuite, on va choisir un dossier ou un autre. Nous, on prime beaucoup les artistes de la région. Donc, on peut, quand on a deux dossiers de force égale, par exemple, lorsqu'on fait un appel de dossier, on va prioriser l'artiste de la région. On n'a pas vraiment de style. On peut autant y aller dans la peinture, la photographie. Là. On essaie justement d'avoir le plus de variété d'art possible pour essayer de toucher un plus grand public. Je veux pas que ça fasse alterner deux dessins, deux photos, deux dessins, deux photos. Pas que ça soit symétrique. Non, je veux aucune symétrie. Mais qu'il peut en avoir trois en ligne. L'important, c'est que... Il donne un petit angle en poussant à la gauche vers le fond. Qu'il parte du même endroit, puis qu'il y ait le plus possible le même angle. Lorsqu'un artiste est sélectionné, souvent c'est lui qui va venir faire monter son exposition. Mais on offre un soutien technique. Donc, on a une équipe technique qui va aider l'artiste à monter son exposition. Lorsque c'est des expositions qui sont rétrospectives, bien, on fait un plan à partir de ce moment-là avec l'artiste, un plan de montage, un plan de l'espace. Et à partir de ce moment-là, on va monter vraiment l'exposition avec l'artiste. Le vernissage est important pour l'artiste parce que c'est un contact avec son public. C'est une façon pour lui, justement, d'expliquer qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait, de prendre connaissance, finalement, du public qui va venir le rejoindre. Donc, ça va être vraiment une façon, c'est important pour lui, parce que ça va être vraiment une façon de prendre contact et de montrer un peu qu'est-ce qu'il fait. L'animatrice au CNE, premièrement, c'est un guide. Donc, ça va être un guide qui va venir guider les gens à l'intérieur des salles, qui va être là pour répondre aux questions. Donc, ça va être une personne ressource. Souvent, les gens ne savent pas vraiment comment regarder l'art ou comment comprendre une œuvre, comment
pourquoi l'artiste a fait ça. Donc, l'animatrice va être justement en mesure de répondre à ces questions-là, d'aiguiller les gens, d'aider les gens à s'ouvrir. Donc, on va venir mettre la vie, on va venir montrer que l'art, ça peut être plaisant, que l'art, ça peut être à portée de tous également. Il y a quelques personnes qui ont le préjugé qu'un musée, c'est plate, que c'est ennuyant, que c'est toujours le stéréotype de la madame un peu riche, un peu bourgeoise, qui arrive avec son petit foulard, avec son hermine, là. Donc, il va arriver, qu'il va regarder ces œuvres-là en disant des grands, grands mots. Donc, l'animatrice, elle, va être là pour justement un peu, je vous dirais, rendre le vocabulaire plus facile, plus accessible, de humaniser un peu, puis de mettre de la vie à l'intérieur d'un musée, de montrer que ça peut être agréable, ça peut être plaisant, qu'on peut voir l'art d'une façon beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus amusante, que c'est pas nécessairement une place où on vient juste pour juger quelqu'un. C'est une place qu'on vient pour avoir des émotions, pour avoir un sentiment. Il y en a qui sont comme « Ouais, quelqu'un, bonjour! » Ou il y en a qui vont faire « Non, c'est correct, je viens juste voir, c'est un peu gêné. » Ça dépend vraiment de la personne, ça dépend de ton état d'esprit, ça dépend aussi du temps qu'il y a. Des fois, les gens ils prennent 30 secondes parce qu'ils sont venus faire une commission de centre culturel puis ils viennent voir, donc ils vont dire « J'ai pas le temps » puis ils rentrent rapidement. On essaie d'arrêter de manger les gens. Des activités de médiation culturelle. Dans le fond, on reçoit le public et on fait des activités avec eux à partir d'expositions. Comme par exemple, on reçoit beaucoup des groupes sociaux, des groupes scolaires, on reçoit également des groupes corporatifs. On offre des services comme le thé et biscuits, les midis culturels, donc les gens viennent dîner. Le but de faire des activités comme ça, bien, c'est premièrement de montrer le travail des artistes. Donc, c'est important de montrer que artiste, c'est un métier. Également, de sensibiliser les gens, donc de montrer le travail de... Tu sais, les jeunes, surtout, connaissent pas ça, l'art. Qu'est-ce que c'est l'art? Donc, on va venir leur apprendre. Et ici, selon vous, qu'est-ce que ça représente? Il y a des dessins à l'encre. Qu'est-ce que ça représente? Qui n'a pas beaucoup parlé? Oui? Oh, ben, dis-nous. Des maisons? Oui. Ben, moi, je dis que c'est des restes de châteaux. Des châteaux? Ouais. Oui. Moi, c'est des villes. Les villes, les anciennes villes, je suppose. Pourquoi ça vous fait penser à tout ça? Parce que... Oui? Moi, je dis que ça ressemble un petit peu plus au château parce qu'on voit toute la belle ville. Ouais, je sais pourquoi ça vous fait penser tout ça. Parce qu'en fait, tout ce que vous voyez, c'est des vieilles pierres. C'est des pierres. Ouais, tout ça, c'est comme... Tout ce que vous donnez comme exemple, c'est très souvent fait par les pierres, n'est-ce pas, les grosses pierres, vieilles pierres. Nous recevons des groupes scolaires ici au CNE. Comment ça fonctionne? C'est que, premièrement, c'est sur réservation, évidemment. Donc, le groupe scolaire arrive ici, on a un accueil. Il va toujours avoir une exposition à visiter qu'on va primer. Puis après, avec l'exposition, on va avoir un programme éducatif. Donc, ça va être un programme qui va être monté en fonction de l'exposition qu'on va voir avec des acquis. Donc, l'élève va, à la suite de l'activité au CNE, qui dure à peu près 90 minutes, va avoir acquéri justement des connaissances au niveau de l'art, au niveau plastique également, parce que l'activité est surtout plastique. T'sais. Mettons, on va apprendre à faire de la sculpture, on va apprendre à faire du dessin, à perfectionner notre technique, à regarder une œuvre. Parce que beaucoup, les enfants sont beaucoup portés à dire « Ah, je suis pas bon en dessin » ou à se centrer beaucoup sur... ce qu'on leur donne comme consigne. Donc, on va essayer de pousser l'enfant justement à sortir du cadre, sortir des limites, à laisser aller son imagination et à, par la suite, justement, avoir acquéri également du vocabulaire.
puisque lorsqu'on rentre dans une exposition, on utilise un vocabulaire, on explique également la démarche de l'artiste. Donc, on va surtout y aller avec un 45 minutes d'exposition, un 45 minutes d'activité plastique. Comment on appellerait ça? Ici, oui? Oui, c'est vrai. C'est l'arbre mystérieux. Oui? On pourrait aussi nous donner la maison sur le rocher. La maison sur le rocher. Est-ce qu'on a d'autres idées? Lorsque je monte un programme éducatif, je vais vraiment, premièrement, je me pars d'une exposition. L'exposition, puis je ressors tous les points de l'exposition. Les points forts de l'exposition, donc de quoi ça parle, le matériau utilisé. Après ça, je vais aller avec une acquis de connaissances. Donc, qu'est-ce qui serait intéressant d'acquérir? Mettons que l'artiste fait de la photographie, bien, je vais me baser beaucoup sur la photographie. On va apprendre à cadrer. Donc, on va essayer de donner une base de photographie. Comme par exemple, tracer, on avait tracé de l'Auto-Québec, c'était basé beaucoup sur le dessin. Donc, on est allé chercher une base de dessin. Ça paraît, au premier abord, du dessin, tout le monde est capable de faire ça, mais il y a des techniques de dessin. Donc, on va venir développer des techniques de dessin. Donc, moi, je vais vraiment viser les compétences. Motricité fine, connaissances cognitives. On va venir chercher également l'expression plastique. On va venir chercher l'imagination, repousser ses limites. On va faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, parce que lorsqu'on est à l'école, on a beaucoup, beaucoup de règles, beaucoup de cadres. Mais moi, je vais essayer de faire exploser ce cadre-là, mais tout en leur donnant quand même des limites pour pas non plus que ça déborde, là, mais des limites qui sont avantageuses pour lui, pour elle, pour l'enfant, qui va vraiment découvrir son propre talent à lui sans être obligé de faire du pré-mâché que j'appelle. Donc, je te donne une boule de plastine puis un cure-dent, il faut que tu le plantes dedans, c'est terminé. Donc, non, la plastine, il faut que tu le mâches comme tu veux.